Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Live and Let Live, une émission spéciale bande-annonce, mais comme toujours, avec ce soir pour vous, un liveur qui vous accueille chez lui de jour, mais surtout de nuit. Il suffit simplement de lui demander si vous pouvez passer, car il a grand cœur, José Mora. Un liveur qui rêverait de rencontrer Pam, mais qui ferait mieux d'adopter un Bouvier, même s'il n'est pas là, nous le saluons, Guy Éloi. Un liveur qui s'est fait retourner le cerveau suite à un test PCR plus que par le professeur Raoult, Dominique Kieffer. Salut Dominique. Salut, c'est Et Dominique. enfin, parce qu'on nous sommes que quatre ce soir. Et enfin, un liveur qui n'a pas attendu une obligation pour tester les gants et les masques, Damien Nassiri. Salut Salut tout Damien. le monde. Ravi Salut. de vous Bien. retrouver pour cette émission spéciale Live and Let Live, qui n'était pas prévue, sincèrement, parce qu'on a eu l'annonce de la bande-annonce avant-hier, donc on s'est décidé à faire une émission spéciale pour commenter cette fameuse bande-annonce que j'espère. Et je pense que vous avez tous vu, que l'on a tous vu. Est-ce que la technique serait prête à nous envoyer la bande-annonce? Absolument, absolument. On va déjà faire diffuser la bande-annonce et puis on la commentera après. Ça marche. Le passé ne meurt jamais. James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Il s'appelle Safin. Qu'est-ce qu'il veut? Se venger? Moi? Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. Comprenez que je veuille revenir dans la partie. Il y a une jeune femme à Santiago que j'aimerais que tu rencontres. Vous êtes en retard. C'est quand vous voulez. Salut. J'ai rencontré votre nouvelle double zéro. Une jeune femme vraiment désarmante. Je comprends que vous lui ayez tiré dessus. Tout le monde a essayé au moins une fois. James Bond. Nous éradiquons des gens, tous les deux. Pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. Bond. Où êtes-vous encore? Piloter ce genre d'engin? Absolument pas. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Qu'est-ce que c'est? Tu ne te rends pas compte? Il va tuer des millions de gens. Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. Ça dépote cette bande-annonce. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Justement, je vais vous demander votre avis. Je vous donnerai mon avis en dernier. Mais je trouve que, quand même, excusez-moi du terme un peu beauffisant, je trouve que ça envoie du pâté. Tiens, je vais demander l'avis de Damien qui, à mon avis, a dû adorer. Ah bah oui, carrément. Je l'ai vu à 13h quand elle est sortie. C'est ce que je disais. J'ai pleuré, mais vraiment j'ai eu des frissons, mais j'ai eu des vraies larmes en fait, des larmes de joie parce que déjà, je pense que c'est un événement qu'on attend depuis longtemps.
elle est géniale. Je pense que le film, s'il est à la hauteur de cette bande-annonce, on va avoir un excellent cru. Ça bouge, il y a de l'action. Enfin, voilà, c'est génial. Enfin, j'ai adoré. José, alors, ton avis ? Par principe, déjà, je ne réagis jamais à chaud sur quelque chose que je peux voir, que ça soit une bande-annonce ou un film. Sachant que, pour être tout à fait honnête, j'ai eu un après-midi hyper chargé. Je l'ai découvert 10 minutes avant le début de l'émission. Moi, le premier ressenti que j'en ai, c'est globalement la même impression que j'avais eue lors des précédents trailers et des précédents teasers. C'est que globalement, d'un point de vue graphique, d'un point de vue photographie, honnêtement, je crois qu'on s'achemine vers un monde d'excellente facture qu'on n'avait peut-être pas vu depuis bien longtemps. C'est-à-dire probablement depuis la fin de la période Dalton et voire le début de la période Brosnan. Ça, c'est plutôt pas mal parce que les photographies extrêmement sépia, extrêmement sombres, extrêmement froides, comme on a pu le voir notamment dans Skyfall ou dans Quantum of Solace, honnêtement, je commençais à en avoir par-dessus la tête. Maintenant, en ce qui concerne le film à proprement parler, effectivement, il a l'air de regorger de scènes d'action. Il y a énormément d'humour qui transparaît à travers cette bande-annonce. Là aussi, un certain retour à une forme de bombe plus traditionnelle, ce qui n'est pas pour me déplaire. Après, je ne pense pas qu'on puisse avoir un jugement global sur le film en regard d'une bande-annonce qui dure 2 minutes 34. Mais par contre, ce que je trouve comme d'habitude dommage, et on l'évoquait avec Dominique en privé juste avant l'émission, c'est que les bandes annonces des films hollywoodiens actuels ont le défaut de beaucoup trop en montrer, et ça gâche quelque peu le plaisir. Parfait, Dominique, à toi, et puis on va en débattre après. Bah écoute, moi ça a été encore violent que Damien, j'ai carrément convulsé. Curie. Hein, devant l'annonce, hein, donc dans Black. Oui, moi j'ai pour principe méfier les bandes annonces, ben, forcément par les bandes annonces, les champs, c'est le principe de choses. J'avais arrêté celle de Space, hein, et puis vous connaissez l'exception de Dominique. Dominique, donc, moi, excuse-moi, agréablement aussi. Dominique, mais oui. Rapproche ton micro de ta bouche, oui, oui. Ton petit micro que tu as sur ton écouteur, rapproche-toi de ta bouche. J'ai pas de micro. Attends, c'est ce truc. Et là, ce que vous demandez. Oui, oui, très bien. Donc, est-ce que vous avez entendu la moindre chose que j'ai pu raconter ? Oui, oui, oui. Coussi, coussa. L'idée générale. Donc, je dis que j'ai pour principe trop m'emballer sur les annonces, notamment depuis la déception de Spectre. Voilà, je préfère agréablement pris. Ah oui, c'est sûr, c'est beau. Effectivement, José le souligner, photographie très colorée, les couleurs sont choyantes. Et bon, il y a quelques éléments de plus qui sont notre lycée, donc c'est agréable après toute cette honte d'avoir quelques éléments de plus. Mais je n'irai pas me roule par terre en dissension sur ça. Je me méfie. Ouais. Alors, si je peux rebondir sur ce que tu dis, tu l'as comparé effectivement à la bande-annonce de Spectre, mais je trouve que la bande-annonce de Spectre est incomparable parce que déjà, ça donnait un peu le ton du film et que là, j'avais trouvé la bande-annonce de Spectre, d'ailleurs, un peu comme celle de Skyfall, un peu plan-plan. Et j'en étais pas ressorti avec un sentiment d'excitation, d'adrénaline comme celle-là, et même comme la première bande-annonce qu'on avait eue le 4 décembre. La bande-annonce de Spectre reflétait tout de même le côté assez austère de Sam Mendes. Et dans cette bande-annonce, on peut voir que visuellement, si vous avez vu les séries et les films de Fukunaga, ça transpire la personnalité de Fukunaga. Visuellement, c'est du pur Fukunaga. Et on peut aussi, à mon sens, se rendre compte que ça restera un James Bond, sans doute, avec du punch, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'action, mais un James Bond assez classique, avec un grand méchant, une attaque de base de méchant à la fin, moderne. Ça me fait penser un petit peu à la grande époque de Roger Moore, toute raison gardée, notamment l'espion qui m'aimait. Ça me fait penser un petit peu à ça. Oui. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. En plus, on voit que le but du méchant, c'est de détruire des millions de vies, donc ce qu'il le dit dans la bande-annonce. Et ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir un grand, grand méchant style dans L'Espion qui m'aimait ou dans Moonraker. C'est un retour au grand, grand méchant qui veut détruire l'humanité, quoi. Mais en fait, je vais même rebondir sur ce que tu dis à l'instant, Damien. Je pense qu'on est vraiment sur
à mon sens. Après, peut-être qu'on peut se tromper complètement en regard des images, des quelques rares images du film qu'on a. Parce que même avec toutes les bandes annonces, les teasers associés, on arrive grosso modo à, on va dire, une dizaine de 10 minutes d'images sur un film qui dure presque 3 heures ou plus de 3 heures. Ça ne veut strictement rien dire. Mais effectivement, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'on revient à une formule extrêmement traditionnelle de Bond, aussi bien dans la structure narrative que dans la façon de filmer, c'est-à-dire loin des errances à la Quantum of Solace et loin des effets de style qui ont essayé d'être faits dans les deux derniers Craig. Donc moi, honnêtement, ça me convient très bien. Maintenant, peut-être qu'on peut se tromper totalement et l'avenir nous le dira, l'avenir très rapidement nous le dira, mais je pense que si réellement c'est le dernier film de Craig, je pense qu'il pourrait terminer sur une excellente bonne note. On sent tout de même le fait que dans Spectre, Sam Mendes avait tout mis, comme il avait dit dans plusieurs interviews, qu'il avait mis toutes ses idées, toute sa créativité dans Skyfall et qu'il ne voulait pas forcément réaliser un suivant parce qu'il ne savait pas vraiment par quelle boule prendre. Et on l'a senti un petit peu dans Spectre. Hein. On l'a senti que les idées visuelles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les idées visuelles de Skyfall, hein, parce que moi, je trouve que niveau mise en scène et visuellement, la scène de combat à Macao en ombre chinoise, c'est une idée formidable. La scène en Écosse, pour moi, c'est l'une des meilleures fins. C'est une fin que j'adore. D'ailleurs, on retrouve un petit peu dans la bande-annonce et une bataille que j'attends. J'en parlais avec Damien avant de prendre l'antenne. La scène de course-poursuite en Jeep dans la forêt, je ne pensais pas qu'elle était aussi ambiancée. La vitesse qu'elle a en plus. On a vraiment quelque chose en mouvement. On en prend plein la tronche. Est-ce que vous voulez que je fasse un point vite fait sur ce que les gens disent sur la page? Donc du coup, en fait, il y a Jean-Baptiste Asler qui dit que les fusées tirées d'un sous-marin, ça fait sacrément l'espion qui m'aimait. Il y a Marc Mora qui pense qu'effectivement, on va avoir un grand méchant, mais que Blofeld y sera largement impliqué. Donc ça, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup dans la bande-annonce. C'est possible. Il y a Erwan qui dit, on dirait bien que c'est une histoire de virus. À un moment, on voit que Bond est dans un labo avec plusieurs tubes. Donc ça recouperait un petit peu l'idée de ce que disait Luc, notre président. Sous-entendait. Pas de spoiler possible. Sous-entendait, on n'a pas vu le film. Encore une fois, on n'a pas lu le scénario. Ce sont des hypothèses de ce qu'on a vu et entendu. Oui. Pas de spoiler pour tout le monde. Absolument. Exactement. Une histoire de vue, ce serait malveux à l'heure actuelle. Ça, il est sûr. Il est sûr que si véritablement il est vrai et que on peut imaginer que ce soit une histoire de virus. De toute façon, l'histoire a été conçue avant la pandémie de Covid-19 et que c'est un très mauvais timing, effectivement, par rapport à l'actualité internationale. Ce serait comme si on avait eu un gros attentat aux États-Unis ou en Europe et puis qu'on parle d'un groupe terroriste. C'est un peu la même chose. Ouais, mais regardez, ça n'a pas empêché, par exemple, le film, je crois que c'est Contagion ou Pandémie, pendant le confinement, il a cartonné à mort. Peut-être que, moi, je ne vois pas en quoi ça peut vraiment gêner la sortie d'un film, son sujet principal. Bah, je vais vous dire, à titre personnel, pendant le confinement, j'ai cherché ardemment en DVD et sur Internet le film Alerte et je ne l'ai pas trouvé. Si vous me demandez, je l'ai en DivX. Écoute, je voulais revoir la scène de diffusion du virus dans le cinéma. Voilà. Donc, sur les hypothèses qui sont peut-être justes, hein, d'ailleurs, effectivement, on peut penser que les intentions de Safin soient pas très fines, du coup, et soient une diffusion de virus. Mais attention, n'en irons pas plus loin parce qu'on reste dans du possible spoiler et on ferait de la. Je vais juste rajouter un truc par rapport à cette histoire de virus. Il faut se souvenir qu'en 97, avant l'écriture de Demain de Jamais, l'intrigue doit être basée sur la possession de Hong Kong de la Chine. Ils y ont renoncé parce qu'ils se sont dit, tout le monde en parle, ça va être trop d'actualité, entre guillemets, ça va gaver tout le monde. Et ça a été exactement la même chose pour Le Monde ne suit pas, où l'intrigue est censée être basée sur le passage au millénaire. Donc, c'est assez. Je pensais, par rapport à la pandémie, je veux dire, peut-être pas mal de qui va être gavé, l'histoire des virus. Effectivement, c'est écrit avant, donc on pouvait contrôler ça.
Mais oui, ça a été écrit pendant, et puis le film était déjà tourné. Là, pour le coup, si c'est réellement le cas, c'est compliqué de changer. Alors, on pourrait toujours dire, avec 8 mois de retard, ils auraient peut-être pu changer l'intrigue, mais si c'est l'intrigue principale, comment changer, faire revenir faire revenir les acteurs pendant une période de confinement, pendant une pandémie, refaire l'histoire principale. Si c'est ça, ça me paraît très compliqué. De toute façon, moi, je ne pense pas qu'il faille changer le sujet d'un film en fonction de l'actualité. Un film, ça reste une œuvre, ça reste abstrait. Enfin, il n'y a aucune réalité. Ah non, mais le changer, sûr que non. Mais je suis sûr que ça ferait bizarre que ça tombe juste sur ce sujet-là. Et ce matin, rien à voir avec James Bond, mais ce matin, j'écoutais à la radio, il y avait Julien Doré qui était invité, et toutes ces chansons, en fait, elles parlent du monde qui change et tout. Et la nana lui dit, mais vous avez écrit les chansons pendant le confinement, et le film, l'album, il était enregistré bien avant. Enfin, je veux dire, globalement, c'est pas une psycho, enfin, on va pas faire de la psychose là-dessus, quoi. Enfin, je veux dire. Cela dit, Damien, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est que par rapport à des films qui collaient de trop près à l'actualité, il y a certains films qui ont dû être remaniés. Et je pense notamment à un épisode de Spider-Man où les plans du World Trade Center ont été effacés numériquement. Hein. Oui, mais alors, je dirais quand même que... Ils ont enlevé une scène carrément. Ils ont enlevé une scène sur le World Trade Center. Ouais. Hein. Ouais, c'est vrai, ils ont enlevé la scène où il devait y avoir une toile d'araignée entre les deux tours. Mais je pense que c'est assez différent, en fait. C'est pas du terrorisme. Aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a fait quoi que ce soit. Enfin, alors que en 2001, il y avait, et en plus en 2001, il y avait une psychose terrible. Oui, c'est les attentats. Sûr. C'était, moi, je m'en souviens. Enfin, on s'en souvient tous, j'imagine. Là, c'est, on n'y peut rien. Personne a lancé un virus pour détruire la moitié de la planète. Non, ça c'est clair. Bon, à moins d'être complotiste. Oui. Voilà. Et donc, si je ne m'abuse, si on vient sur le sujet du virus, le vrai James Bond en réalité, c'est le professeur Didier Raoult. Ah. Prêt à sauver l'humanité. Alors, on a des réactions. On a beaucoup de réactions. Donc, il y a Marc Mora qui dit que. Qui pense que Blofeld va être très impliqué et que lui, il est surtout impatient de voir la future remplaçante, hypothétiquement, de James Bond, a priori. Tac, tac, tac. Pour la première fois, Craig sourit. Erwan dit, il dit que c'est la première fois qu'il voit Craig sourire. Donc, voilà. Et que, a priori, ça serait James Bond qui demanderait à être réintégré au service. Oui, donc, oui, ça, on peut le deviner. Et il y a Jean-Baptiste qui dit qu'on peut quand même spoiler, on est entre nous. Ouais, mais quand même, il y a des règles à respecter. Là. Non. Il y a Paul-François qui dit aussi que Rami Malek, avec son masque, ressemblerait à Dr No de la couverture du livre de Fleming. Ouais, et c'est vrai qu'il a fait une publication dans ce sens sur la page de Planète 007 cet après-midi. Bah, moi, je trouvais que Safine ressemblait plus à Paul-François sur sa vidéo. Après, sur la couverture de Dr. No, je vous avouerai que... Je n'ai pas de souvenir particulier par rapport à... Il a publié la photo de la page de couverture de Dr. No. Effectivement, je suis assez d'accord avec lui. Il y a quelque chose, en tout cas. Et ça fait beaucoup. De toute façon, sans rentrer dans les spoilers, ce méchant de ce qu'on peut en voir et fait énormément penser tout de même à Dr. No. C'est une rumeur latente. Moi, il me fait penser beaucoup à Dr. No, personnellement. Bah, en fait, globalement, après, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'ils nous font un coup Safine comme Séverine dans Skyfall, qui en fait est Séverine Modépenny, et qui en fait Safine serait Safine No? C'est possible. C'est une chose possible. Après. Séverine Modépenny. C'est une très mauvaise idée. Excusez-moi. C'est pas Séverine, c'est Eve. Oui, t'as raison, ouais. Dominique, c'est Eve Monet-Penny. Cela dit, pour rebondir sur ce que vous dites à droite à gauche et par rapport à une réflexion que j'ai vue passer sur le chat en direct, la référence à Docteur No, oui, sans doute. Par contre, il est clair que les références à l'espion qui m'aimait sont beaucoup plus visibles. Je pense notamment à cette espèce d'avion qui se transforme en sous-marin. Ça renvoie directement à une scène mythique de l'espion qui m'aimait où un objet dont ce n'est pas la fonction se transforme totalement dans son usage. Un avion qui se transforme en sous-marin, bon là on avait une voiture, et même on l'avait vu dans la première bande d'annonce au mois de décembre, le décor intérieur de la base
de Safin ressemble fortement à l'intérieur du Liparus. Oui, tout à fait, mais tout à fait, tout à fait. Et tout à fait, dans cette bande-annonce, la séquence de fin de l'attaque de la base est très classique dans son ensemble et fait penser à un remake moderne de L'Espion qui m'aimait. Plus violent, plus brutal, plus... peut-être plus... qui adapté à son époque, mais ça fait penser à un remake de L'Espion qui, de la fin de L'Espion qui m'aimait. Effectivement. 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 Alors, je vais vous poser une question. On va faire les... Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Parce que moi, j'ai aussi des trucs qui me mettent des petits doutes. Par exemple, il y a deux scènes que j'attends énormément dans le film, deux scènes d'action. C'est le pré-générique Amatera, qui m'a l'air... je pense que là, on va en avoir pour notre argent. Oui. Et puis, cette scène de course-poursuite en Jeep... dans les bois, et ça, je pensais pas qu'il y aurait une telle ambiance, l'ambiance un peu crépusculaire à la Skyfall. Moi, j'ai adoré la scène d'Écosse, et je trouve que les 3-4 derniers plans où on voit Craig avec la bagnole et puis qui flingue la bagnole quand elle se retourne, j'adore. Franchement, là, je suis resté, j'adore. Mais on sent clairement que ça va être un film plein de douceur, plein de bons sentiments, vraiment du bon cinéma d'auteur. Exactement, ça va être... Mais on peut peut-être être surpris, hein, parce que effectivement, quand tu disais tout à l'heure, on a vu 3 minutes et demie en tout d'un film de quasiment 3 heures. Voilà, exactement. On a vu les séquences, on a vu des plans principaux, ils doivent en, quand même sur 3 heures, ils doivent en avoir sous le capot. Il y a aussi une séquence que j'attends beaucoup, c'est la séquence à Cuba avec Ana de Armas qui m'a l'air de peser son pesant de cacahuètes, si je peux m'exprimer ainsi. Ah oui, ah oui. Elle est... Ah, et puis il y a beaucoup de mecs qui sont à côté d'elle, ils entraînent pour leur grade. Un peu plus de dit sur le personnage, parce que présent dans les bandes annonces présentes, on n'avait rien d'elle, pas grand-chose. C'est vrai. Et son personnage a l'air d'avoir beaucoup d'humour. En plus, quand elle lui présente, j'adore le moment où elle lui présente le smoking et puis qu'on voit le plan d'après, qu'elle lui dit « bon, bah ça y est, je suis prêt ». Puis quand il se salute, Craig fait sa tête comme dans le Saturday Night Live où il avait parodié son James Bond au casino. J'ai trouvé ça très drôle. Et j'adore cette séquence. Et dans cette scène, il n'est pas bourré. On a l'impression, quand il trinque avec elle… J'ai eu l'impression qu'il était bourré, c'est possible. Ouais. Il vient peut-être de se prendre du gaz dans la soirée aussi, hein. Parce que tous les gens tombent à côté de lui. Si on voit le plan qui est en plongée, on voit tous les parce que bon, pas de spoiler, les gens dans cette soirée tombent à côté de lui. Absolument. On va pas dire qui sont ces gens parce qu'on sait qui sont ces gens. On vous laisse bien évidemment la surprise au cinéma. Et j'en finis avec ce que j'ai aimé. Je vous laisserai la parole après chacun. Je suis un petit peu moins fana des plans avec le drone, etc. Même s'ils sont très bien faits, hein, esthétiquement, etc. Moi, j'accroche moins à ce genre de truc. J'aime beaucoup l'humour. J'aime beaucoup l'humour qu'il y a dans la bande-annonce. On retrouve vraiment un bond plus classique. Et puis également, j'attends aussi, même si on en voit un peu moins, ça, le début du film, simplement, où il se retrouve en Jamaïque avec Felix Leiter. Je trouve que ça, c'est pas mal du tout. Absolument. C'est pas mal du tout. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que ce que j'en vois dans la bande-annonce, j'attends énormément la scène en Jeep, la scène à Matera, la scène à Cuba. Et je pense qu'il y a Tu peux dire que tu attends le film, en fait. Oui, j'attends Gun Barrel, tout le monde sait que je suis un fan de Gun Barrel. Ils ont intérêt à le mettre. Hein. Moi, en fait, à l'image de ce que vient de faire Mathieu, je vais faire un petit peu ma synthèse. Bon, comme je l'avais dit lors de ma première intervention, je n'aime pas trop réagir à chaud parce que c'est la meilleure moyen de se planter et de partir sur des idées ou sur des a priori qui sont complètement faux. Disons que la bande d'annonce me rassure un petit peu sur la qualité globale du film, parce qu'elle est en total décalage par rapport à la qualité de l'affiche qui a été dévoilée il y a 2 jours de ça, qui est pour le coup absolument immonde, mais immonde, qui est somme toute, bon, je sais que Dominique ne sera pas d'accord avec moi, qui est à l'image de toutes les affiches bondiennes depuis l'arrivée de Daniel Craig, et même un petit peu avant,
lors des derniers films de Brosnan. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue marketing, c'est vraiment ce que je reproche énormément au monde actuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de génie créatif au niveau du marketing. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur l'affiche qui a été dévoilée hier ou avant-hier, je ne dirais pas immonde, je dirais qu'elle manque de personnalité parce que c'est exactement le même genre d'affiche qu'on a eu pour Skyfall. C'est du copier-coller, c'est du Photoshop, il n'y a pas de recherche graphique, etc. C'est dommage parce que pour l'instant, les affiches de Mourir peut attendre, No Time to Die, étaient plutôt sympas. Relevaient un petit peu ce qu'on avait eu depuis Skyfall. Pas la première qu'on a eue, en tout cas. Moi, de l'ère Craig, il y avait eu la première pré-affiche de Casino Royale. Elle est magnifique. Donc, on ne peut pas mettre toutes les affiches dans le c'est même lot. C'est toujours pareil, c'est des affiches qui ne cassaient pas. Moi, j'ai bien aimé l'affiche fine de Casino Royale. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, c'est quand même pas... Ça reste que jamais que des photos toutes simples. Oui, mais maintenant, si on remarque bien, mis à part les Marvel, la grande majorité des blockbusters, maintenant, les affiches modernes, ce sont des photos avec les titres placés dessus. Bien sûr. Et les crédits placés dessus. C'est la mode. Ouais. Mais moi, pour revenir sur ce que tu disais, vu qu'on en a parlé juste avant l'émission, j'attends vraiment le pré-générique à Matera. Là, je pense qu'on va, effectivement, ça sera encore mieux que Spectre, parce que Spectre, quand même, il avait mis la barre très haute. La scène de course-poursuite en Jeep, je ne m'attendais pas non plus à ça. Moi, je m'attendais à un truc assez plan-plan, mais vu comment c'est tourné, vu la vitesse d'abandon, c'est absolument magique. Je m'attends aussi à beaucoup d'humour et honnêtement, je suis toujours un optimiste, mais il n'y a rien que j'ai détesté dans cette bande-annonce. Même les scènes où tu as le planeur qui rentre dans l'eau, moi je l'ai trouvé génial. Effectivement, je dirais les interventions des téléspectateurs tout à l'heure, mais non, il n'y a rien d'acheté. Dominique, qu'est-ce que tu as aimé ? Après, on ira on fera un point sur les internautes. Et ensuite, on dira ce qu'on n'a pas aimé dans la bande-annonce. La beauté de Paloma. La beauté de Paloma. Oui, c'est Paloma qui s'appelle le personnage de Armas. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. J'ai aimé qu'il y ait plus de place dans cette bande-annonce. Ce personnage m'intriguait. J'ai hâte de découvrir ce personnage. Donc, ce que j'ai préféré, c'est les nouvelles images. C'est tout ce que tu as... Que... Non, comme tout le monde, j'ai eu l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup d'actions, mais c'est l'objectif de l'annonce de cette impression. Oui, j'ai été emballé, oui. T'en vous dis du bien. Dedans, donc, si vraiment je dois acheter un truc, c'est... Paloma. Je vais te poser une question. Oui, génial. Mais bref. J'ai tellement déçu il y a 100 que je fais gaffe. Voilà, Dominique, je vais te poser une question. Oui. Une question entre nous. Si tu n'avais pas eu la déception de Spectre, que tu te places en fan inconditionnel sans cette déception de la bande-annonce par rapport au film Spectre, est-ce que tu en gardes du positif de cette bande, plus de positif que de négatif de cette bande-annonce ? En fait, il n'y a rien qui ne l'est pas dans cette bande-annonce. Donc oui, j'en garde que du positif, en fait. Je ne vois rien vous citer. Il m'inquiète. Ou même pas dans cette bande-annonce. Donc oui, c'est positif. Absolument. Bon, alors, on va faire un petit point. Merci, mais Dominique. Effectivement, comme tu l'as souligné, je suis peut-être influencé par ce qui s'est passé avant. C'est possible, ça c'est, mais c'est même pas possible. Vous m'avez entendu ? Oui, c'est fort possible que tu te sois fait influencer par ta déception de Spectre. Mais en plus, j'avais adé, moi, les bandes de Spectre, je les trouvais austères que ce que tu... Oui, il y avait l'hérité de Sam Mendes, mais ça ne me dérangeait pas. Je m'attendais au meilleur épisode de la saga. Ben après Skyfall, on pouvait que s'attendre à ça, d'ailleurs. Et c'est ce qu'on espérait tous, parce qu'on était très contents d'avoir le retour de Sam Mendes. On fait un point sur les réactions Internet. Alors, il y a Paul-François qui dit que la scène de l'avion ressemble à la scène où Bond et Jinx sautent de l'avion dans Meurt un autre jour. C'est vrai. Oui, ça m'a fait penser, oui, effectivement. Ouais.
L'idée générale, il y a Marc Mora qui dit que ça va dépoter, que la brune est sulfureuse à souhait, que Paloma, alors ça c'est Jean-Baptiste, il dit que Paloma a l'air de plus en plus cool en fait, et que a priori Marc pense que James Bond est stupéfait des capacités de Paloma. Donc l'idée générale, je vais essayer de faire un petit peu vite, c'est que tout le monde attend vraiment le film avec impatience. Il y a des gens qui critiquent un peu l'affiche en disant qu'on dirait une pub de H&M, donc ça revient à ce que disait un peu Joseph, enfin, pas sur la pub H&M, mais sur l'affiche en tout cas. Il y a Walid qui dit que Craig a l'air d'avoir plus d'humour que dans les opus précédents, mais ça, il l'avait dit, je crois, dans une interview déjà. Il y avait déjà de l'humour dans Spectre. Hein. Oui, c'est vrai. Tac. Alors il y a Marc qui pense aussi que le pré-générique pourrait être quelque chose qui soit du passé et qu'on serait après, il y aurait un saut dans le temps entre le pré-générique et le film. Possible. Donc ça c'est pas impossible. Pas de spoiler. Il y a Victor que je salue parce qu'il est pas loin de chez moi, qui adore la musique, le logo Universal il l'adore, la reprise du thème bondien, ça c'est vrai, il dit que elle est magique à ce court moment et je suis assez d'accord avec lui parce que je trouve que c'est un côté très rassurant pour nous les fans. Bah voilà, c'est globalement j'en ai sauté quelques-uns mais parce que beaucoup de gens disent à peu près la même chose donc voilà. Écoutez, merci. Tu as 2 minutes. Je voulais juste te dire, il me paraît assez évident que issue du pré-générique de Matera, Bond et Madeleine rompent et qu'effectivement, le reste se passe quelques années plus tard. C'est possible. On n'en sait rien pour l'instant, mais c'est possible. D'après ce qu'on voit, c'est une possibilité, effectivement, tout à fait réalisable. Écoutez, on a encore d'autres choses à se dire parce qu'on va faire les inquiétudes après et puis les côtés un petit peu négatifs de ce qu'on peut en retirer de cette bande-annonce. Donc, écoutez, on se retrouve après une petite pause. À tout de suite. De retour dans Live and Let Live, édition spéciale bande-annonce surprise de No Time to Die. Donc, nous avons fait un petit point sur les côtés qui nous intéressaient globalement. Globalement, c'est très positif, cette bande-annonce, si on se réfère à... Moi, mon sentiment est très positif parce que j'ai adoré cette bande-annonce. Honnêtement, j'ai adoré cette bande-annonce. Ceci dit, nous allons passer dans les possibles inquiétudes parce que je ne vois pas de choses vraiment qui pourraient être négatives dans cette bande-annonce parce qu'il y a un rythme absolu, la musique est parfaite. Quand il lâche, moi j'aime bien dans les bandes-annonces de James Bond, quand j'appelle ça, quand il lâche les chevaux à la fin avec le James Bond thème, l'action, etc. Là, celle-là, elle remplit toutes mes exigences. Ceci dit, moi, il y a une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est le côté un petit peu soap qui peut y avoir quand ça se calme, notamment avec Madeleine Swann. Qu'est-ce que vous en pensez ? Disons que je pense qu'ils vont nous refaire le coup. Il va y avoir encore une histoire dans son passé. Ça va être encore un peu. Enfin, Madeleine, moi, j'aurais aimé qu'elle meure dès le départ, mais bon. Voilà. Quel humanisme ! Je sais. Quel humanisme ! Dominique, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, je suis sûr que vous devinez ce que j'en pense. C'est-à-dire, Madeleine, vous savez que moi, je trouvais que est assez doux, ne méritait pas cet honneur d'être la première Bond Girl à revenir. C'est pas que ce soit la première, mais en tout cas, à avoir un rôle important pour le film précédent. Moi, le personnage était assez intéressant. Donc, oui, je regrette. On sent bien qu'elle est hors de l'intrigue. Voilà, bon, peut-être qu'elle impressionnera plus que dans le précédent. Il faut espérer. José, alors, est-ce que tu as des points négatifs ? Moi, par rapport à la bande-annonce, non. Par rapport au film, disons que j'ai qu'une seule crainte. Et c'est toujours pareil, je me base un petit peu de la jurisprudence bondienne. Avec l'ensemble des personnages qui peuvent exister dans ce film, que ce soit Blofeld, Safine, Paloma, Nomi, Bond, Leiter, deux méchants, un double zéro de remplacement, etc. J'ai peur que, et compte tenu de la durée du film, 3 heures, j'ai peur qu'on tombe un petit peu dans le mauvais travers d'Octopussy, c'est-à-dire un scénario extrêmement complexe dans lequel on ne comprend quasiment rien pendant les 3 quarts du film et que tout s'éclaire dans le dernier quart d'heure, voilà, dernière demi-heure. C'est un petit peu ça dont j'ai peur. Après, peut-être que je me trompe totalement, mais disons que ça serait quelque chose qui pourrait nuire
à l'homogénéité du film. Alors, pour rebondir là-dessus, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Fukunaga avant Mourir peut attendre. Il avait fait notamment un film qui s'appelle Beast of No Nation, que je vous conseille, qui visuellement, d'ailleurs, c'est rigolo au niveau couleur, parce que on reconnaît la patte Fukunaga sur la bande-annonce. Vraiment là-dessus, c'est vraiment du Fukunaga à fond. Sur Beast of No Nation, il y a un scénario assez complexe, et j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon film. Je ne dirais pas un chef-d'œuvre, mais je dirais que c'est un très bon film. C'est vraiment un vrai auteur. Il a fait également deux séries. La série, je l'ai à côté de moi, le nom m'échappe. Une série policière avec Matthew McConaughey. Aidez-moi. True Detective, exactement. Merci Dominique, parce que j'ai pas mes fiches à côté de moi. True Detective, la première saison. Niveau scénario alambiqué. Complexe, mais était vachement bien mené. Moi, je fais confiance là-dessus à Fukunaga. Hein. Et il a fait une autre série qui s'appelle Maniac, si je ne dis pas de bêtises, avec... c'est sur Netflix. Fukunaga. Alors, sur cette série-là, on voit vraiment... là, il s'est lâché visuellement. Et c'est Maniac, tout à fait, de 2018. Merci Mathieu, merci à mes stagiaires de m'avoir fait ma fiche dans ma tête. On te laisse te débrouiller. Il a notamment été connu, il a aussi été connu pour avoir réalisé Jane Eyre. Et il s'est pas planté à chaque fois qu'il a fait quelque chose. D'ailleurs, il devait. Par contre, paraît-il qu'il a un caractère assez particulier et qu'il devait réaliser le film Ça et qu'il a claqué la porte de la production, il a été remplacé. C'était pas lui qui. Bon, et puis le film Ça a été une réussite, autant visuelle que scénaristique. Ça, c'est autre chose. Et on peut voir dans cette bande-annonce, si on a vu la série Maniac, si on a vu la série True Detective et si on a vu Beast of No Nation, on peut remarquer la patte de l'auteur Fukunaga sur ce James Bond. Enfin, je trouve que moi, c'est flagrant pour moi. En tout cas, c'est flagrant pour moi. Et ça me rassure un petit peu. Alors, moi, je ne connais pas son univers. Donc, du coup, voilà, moi, la seule chose qui me plaît, enfin, on va encore parler de choses qui nous plaisent, mais c'est les couleurs. La photographie. Après, le scénario, pour revenir sur ce que disait José, je ne crois pas que ce soit grave de faire un film un peu compliqué. Moi, Octopussy, bon, peut-être que je l'ai compris du premier coup, pour une fois, mais non, je ne trouve pas que ce soit dommage d'avoir un film compliqué. Est-ce que tu as compris sur Octopussy, excusez, je rebondis là-dessus, est-ce que tu as compris la scène où il joue le James Bond theme pour faire monter le cobra ? Tu as compris que c'était le James Bond theme ? Oui. Je... mais à mon corps défendant, c'est que je l'ai vu plusieurs fois. Bon, il y a un film que je trouve plus compliqué à comprendre qu'Octopussy. C'est Le Monde ne suit pas. Il y a encore des spés du scénar que j'ai pas pigé. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? L'histoire des rapports au début. Il va récupérer dans le. Après, quand il va récupérer, ils vont récupérer le plutonium dans le réacteur. On ne sait pas si le militaire il est complice avec le scénar et pourquoi ils avaient besoin de Vidov pour aller piquer le plutonium. Bond qui se. Mêle beaucoup trop facilement ce groupe de touristes dans la vie. Enfin, c'est mal écrit, c'est pas oui, c'est mal écrit et c'est peut-être assez mal monté, notamment dans la scène du pré-générique. Et d'ailleurs tout ça est expliqué dans la novélisation de Raymond Benson. Est très bien expliqué, notamment le générique rentre dans les détails du tireur, de la femme au cigare, et Raymond Benson rentre plus en détail et on comprend beaucoup mieux les enjeux et l'histoire par la novélisation. Mais malheureusement, le grand public ne va, il n'y a que les fans qui vont aller acheter et lire la novélisation. En tant que faux fan, moi j'ai compris le film. Ben oui, il y a Pierce Brosnan. T'as compris quand tu as... Excusez-moi, mais c'est pas pour défendre une fois de plus un film avec Pierce Brosnan, mais. Il n'y a rien qui me paraît compliqué, hein, honnêtement.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des liens entre les scènes qui n'est pas forcément évident. D'accord. Moi, j'ai toujours trouvé que dans le pré-générique, l'histoire du tireur, etc., c'était, ils essayaient de l'expliquer pendant le cours du film, mais que c'était jamais vraiment bien expliqué et que c'était pas très clair. Et je l'ai vraiment compris en lisant la novélisation qui s'arrête beaucoup plus et qui va beaucoup plus dans les détails que l'histoire du film. Ouais. Bah moi, pour moi, même le tireur, pour moi, dans le pré-générique du monde de Shiva, pour moi, c'était Renard. Donc, parce qu'il dit, je vous ai laissé partir parce que j'avais besoin que vous transmettiez l'argent. Donc, je vois pas si. Enfin, ouais. Bah écoute, c'est qu'on est peut-être un peu con. Non, j'ai pas voulu dire. Attention, j'ai pas voulu dire ça. Non, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Non, j'ai pas voulu dire ça, mais en tout cas, ça me paraît pas compliqué. Enfin, voilà. Est-ce qu'on a des réactions des internautes? Oui, on en a quelques-unes. Ah. Donc, du coup, Marc dit qu'il trouve que Léa Seydoux joue mieux, en tout cas dans ce qu'il a vu dans la bande-annonce, il trouve qu'elle joue quand même beaucoup mieux que dans Spectre. Alors, donc, attends, je m'arrête là-dessus. Je pense effectivement, même si je ne suis pas un grand fan de Léa Seydoux en tant qu'actrice, je pense effectivement qu'elle sera plus, son rôle sera plus intéressant que dans Spectre. Alors, c'est surtout qu'entre-temps, elle a fait l'école de la vie. Exactement, c'est vrai, tout à fait. Et même Victor dit que Léa Seydoux, il n'est pas fan, mais il espère que son personnage sera quand même plus intéressant. Ça, à mon avis, ça ne sera pas bien compliqué. Mais là, ils ont carrément fait l'heure de l'intrigue de son personnage, donc il ne peut être plus intéressant. Oui. Et bon, Erwan, je te kiffe. Erwan, il dit que Brosnan, c'est le meilleur. Enfin, quelqu'un qui a du goût. Donc voilà. et Mourir peut attendre, qui est le même ennemi que Blofeld, car on l'entend le dire dans la bande-annonce. Non, c'est pas ça, Paul François, c'est, je pense pas. Non. On n'a pas compris la même chose. Répète ce que dit Paul François, excuse-moi, j'ai pas entendu. Paul François dit que dans Mourir peut attendre, c'est le même ennemi que Blofeld, car on l'entend le dire dans la bande-annonce. Oui, si. Ce qui veut dire, c'est que Bond et Blofeld ont un ennemi commun. Ouais, oui, voilà. Bah, du coup, j'avais pas bien compris comment c'était dit, mais oui, effectivement, il le dit. Donc, ce qui est un ennemi du spectre ne peut être qu'un très grand ennemi. Quelle joie d'avoir une famille enfin réunie. Bon, écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de cette bande-annonce. C'était une édition spéciale ce soir pour débriefer. Ah si, il y a une chose qu'on n'a pas parlé, tiens, avant de se quitter, qui me tient à cœur. Pensez-vous sur la musique qu'on a eu le James Bond theme dans Zimmer? Moi, je le pense. Je pense aussi. En l'ayant vu plusieurs fois, je pense aussi. Parce que c'est une version que je n'avais jamais entendue. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tout à D'accord. fait. Et Mathieu, peut-être on devrait. Est-ce qu'on parle pas vite fait de Chantilly, vite fait, comme on a pas mal de gens qui nous voient? Ah ben oui, et oui, tu as raison. Le cinéma, le 12 septembre, séance cinéma à Chantilly, dangereusement vôtre, en extérieur, masqué, ganté, et avec distanciation sociale, évidemment. Un événement organisé également. Une journée également organisée par le club James Bond et pour le club James Bond avec visite de la station-service Hummer Tibet. Ensuite, un pique-nique le midi, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et l'après, visite de Chantilly, du château de Chantilly, enfin tout au moins des écuries où se passe une partie d'une séquence du film. Ensuite, le soir. Si vous n'êtes pas membre du club James Bond France, vous pouvez venir assister à la séance de cinéma dangereusement vôtre en extérieur. Espérons que le Dieu Roger Moore, le Saint Roger Moore, permette d'avoir un beau temps le 12 septembre. Et ensuite, nous nous quitterons et nous pourrons également nous retrouver, nous. On se rencontrera enfin, José, Dominique, en vrai, le lendemain pour aller déjeuner. Et notre première vraie émission de la saison sera évidemment un retour sur la journée à Chantilly, organisée par le Château de Chantilly et organisée par le club James Bond France. Voilà pour cette... merci de m'y avoir fait penser, mon petit Damien. Je t'en prie, mon petit Mathieu.
Et nous vous saluons. Merci de nous avoir suivis pour cette émission un peu spéciale, une édition spéciale bande-annonce. Je pense qu'on a tout dit. Écoutez, viva James Bond. Allez, à la... c'est quand notre prochaine émission? C'est le 12 septembre. Donc, si je regarde mon calendrier... Normalement, ça sera le 30 septembre. Le 15 ou le 16? Ce sera le 16, parce qu'on fait nos émissions, c'est le mardi 20h. Donc, nous diffuserons notre première émission de la saison, le retour du château de Chantilly. Et puis, je vous dis... allez, salut, ciao!